Shmout Morgan Alei Den Letusera aujourd'hui les Lunishmat Amram Yona Ben Chana Peggy Bat Esther Nissim Bat Ben Aouda Michael Novikov et aussi des fois Ruth Bat Kolodin Traina et Simcha Bat Masudi Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Douyot Perigvet Mishnah Bet Amar Rabbi Chanina Sgan Kohanim Miyamai Lo Raiti Or Or Yotze Lebet Asreifa Amar Rabbi Akiva Midvarav Lamanu Shamafshit Et Abichor Venimtsa Traifa שיהותו הכהנים באורו, והחכמים אומרים, לא ראינו אינו ראיה, אלא יוצא לבית השריפה. On va parler dans notre Mishnah de Kodshim, le Seder Kodshim des Korbanot, avec des notions que je ne domine pas parfaitement, si je vais vous expliquer selon ce que j'ai compris, j'ai un petit peu approfondi le sujet, mais en tout cas, bien sûr, si je connaissais mieux le sujet, alors ça serait encore plus large. Mais c'est pas grave. Concrètement, quelques petites notions à savoir. Tout d'abord, lorsque j'apporte un korban au Beit HaMikdash, alors il y a la avoda essentielle, le service essentiel que l'on fait, c'est de l'égorger, de récupérer le sang, d'aller verser le sang sur l'autel. C'est les quatre avodot, Shrita, Kabbalah, Ola, Chazrika, c'est les quatre éléments de base pour faire un korban. Récupérer le sang et aller le verser sur l'autel. À part ça, une autre notion. Lorsque j'apportais un korban au Beit HaMikdash, des kodshi kodashim, un korban, un khatat, un sham, une ola, alors la Torah a fait cadeau de la peau au kohanim. Soit j'apporte mon korban, mon khatat, les kohanim les gorgent, récupèrent le sang, le versent sur l'autel, ensuite on dépaisse l'animal, les kohanim du mishmar qui était là-bas de garde, ils vont prendre la peau, ils vont se la partager, c'est de l'argent, c'est du cuir, ça coûte de l'argent. C'est un cadeau, un des 24 cadeaux que la Torah a fait au kohanim, Chavdalet Matnot Keuna, c'est leur offrir la peau des korbanot, en plus de certaines parts de l'animal qu'ensuite ils vont manger, une certaine part de l'animal, ils vont les amener ensuite sur le misbéach et les brûler. D'accord? C'est une part pour Hachem, une part pour le kohanim, pour tout ce qui est kotchikoloji. Pas tout, d'accord. Oh là, c'est tout pour la chaîne. Sans entrer dans trop de détails. D'accord, c'est clair, le principe est clair. Donc pour le moment, on a donc parlé de verser le sang sur l'autel, c'est la avoda. Ensuite, on a parlé que les kohanim vont recevoir en cadeau la peau. Un autre élément maintenant. Lorsque on égorge l'animal, et on n'avait pas encore fini de s'occuper de l'animal qu'il est devenu tamé. Il y avait par exemple, d'un coup, un corbeau qui est venu nous jeter une souris morte dans le Beit HaMikdash, qui avait une souris morte par terre, et l'animal il a touché, donc l'animal il est devenu tamé. On ne va plus pouvoir continuer à porter cet animal au Misbéach. Il va falloir le prendre et le sortir les bêtes à Sreifa, là où on brûlait tous les restes des korbanot. On va sortir le brûler tel quel. Ok. Maintenant, c'est là où ça va être le sujet de notre Mishnah. La première partie, on n'a qu'à le faire directement dans les mots. Amar Rabbi. Non, d'abord je l'introduis, comme ça sera plus facile de courir dans les mots. Ça se passe comme ça. On va maintenant s'intéresser à. D'abord, excusez-moi. Lorsqu'on a égorgé l'animal, donc cette chose est dit. On a égorgé l'animal, et ensuite, on n'avait pas encore récupéré le sang, par exemple, et d'un coup, l'animal il est devenu tamé, donc on va aller le jeter, on va le brûler entièrement. Mais par contre, si on a déjà versé le sang et qu'on a déjà dépecé l'animal, alors, et qu'après la chair devient tamée, les kohanim pourront récupérer la peau. Un cas maintenant particulier, c'est le cas où on dépece l'animal, on lui enlève la peau, et d'un coup on découvre en fait que l'animal, il est treifa. Il avait un trou dans les poumons par exemple, il avait le poumon perforé. Donc il s'avère que moi qui apportais ce korban, je ne me suis pas acquitté de mon devoir d'apporter un korban puisqu'il était treifa. Autant qu'on est mahmir, ne pas manger de la viande terifa, un animal qui est taref, qui n'était pas non viable, alors je ne me suis pas acquitté de mon devoir d'apporter un korban avec un tel animal. Donc il va falloir que j'apporte un nouvel animal. Ce qui se passe maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de savoir, si on a gorgé l'animal, on a récupéré le sang, on est parti le jeter sur le misbéach, on a commencé à le dépecer, les kohanim se sont dit super, on va avoir une jolie peau de chèvre aujourd'hui, et d'un coup, on continue à couper les parts qu'il y avait à l'intérieur. On découvre que le poumon il était perforé, qu'il y avait un trou dans l'estomac. Toutes les tréfautes qu'on peut découvrir dans Masechet Roulim. Alors maintenant, on a un problème. C'est qu'il s'avère que tout ce qu'on a fait, mon korban n'était plus un korban. La question de notre Mishnah est de savoir, est-ce que les kohanim mériteront quand même la peau? Du fait que, concrètement, on a égorgé, on a versé le sang sur le misbéach, l'animal a été offert maintenant à Hachem, tant bien que mal, même si c'était un mauvais cadeau, il va falloir tout recommencer. Mais est-ce qu'ils ont déjà reçu la peau ou bien non?
Et c'est vrai que rétroactivement, il n'y a jamais eu de korban. C'est là la question. Et Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, vient et nous dit que sachez que Miyamai, depuis toujours, depuis mon enfance, Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, le Rabbi Hanina, le second du Kohen Gadol. D'accord ? Depuis toujours, il témoigne que depuis toujours, l'Oraiti Or Yotzel Bet Asrifa. Je n'ai jamais vu au Bet HaMikdash qu'on faisait sortir une peau uniquement au Bet HaMikdash. Genre, comme c'est qu'il nous dit en fait. Moi, je n'ai pas vu qu'on pouvait. Il ne vient pas témoigner positivement qu'il a vu qu'une peau d'un animal qui a été très phare, que malgré tout les Kohanim pourront le garder si toutefois on a déjà jeté le sang sur le Mizbéach et qu'on l'a dépecé. Mais il vient et nous dit, moi j'ai jamais vu, j'étais là-bas, je traînais fréquemment au Beth Amikdash et j'ai jamais vu qu'on prenait une peau pour aller la sortir au Beth Amikdash, pour aller la sortir et aller la brûler. Je déduis de là, pourtant c'est arrivé des dizaines et des centaines et des milliers de fois même, qu'un animal se retrouve Treifa, qu'une fois qu'on va commencer à lui couper les parts, on va découvrir, j'ai déjà vu plein de fois, de la viande sortir, de la chair sortir pour aller la faire brûler ou l'enterrer selon la lachot, chaque korban. Mais en tout cas, j'ai jamais vu qu'on prenait une peau. Soit, je déduis de là qu'une peau, que dès qu'elle a été dépecée, elle appartiendra au Kohanim, puisque finalement on a jeté le sang, on a versé le sang sur l'autel, la peau appartient au Kohanim, même si il va s'avérer que l'animal, que le korban a été rétroactivement pas soul. Ouais. Il témoigne pas d'avoir vu, mais il témoigne de ne jamais avoir vu le contraire. C'est ça que Chachamim ont discuté à la fin de la Mishnah sur lui. D'accord ? Le principe, malgré tout, maintenant, l'idée de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, elle est donc de comprendre que, puisque on a fait ce qu'il fallait faire sans avoir découvert que l'animal avait un problème, le fait de découvrir l'animal, que le problème ensuite, ne va pas annuler rétroactivement le fait que le Kohanim ait reçu en cadeau cette peau. Bien que ça va faire découvrir que rétroactivement le korban n'a pas été un bon korban. Le propriétaire qui avait apporté ce korban khatat, il va devoir en rapporter un nouveau. Malgré tout, ça ne remet pas en cause le don de la peau qui a été fait au Kohanim. Comme ça, il déduit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Vient Rabbi Akiva et déduit de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Midvarav Lamadnu, de ses paroles je déduis. Alors là, on va parler d'un tout autre sujet qui se trouve dans ma Sechet Bechorot, qui est aussi un des traités du tome de Kochim. Et Midvarav Lamadnu, d'abord on traduit, après on explique tant bien que mal ce qui se passe. Je ne suis pas un grand professionnel du sujet, mais en tout cas, ce que j'ai compris de l'histoire. Amar Rabbi Akiva, elle a rétorqué Rabbi Akiva, Midvarav Lamadnu, de tes paroles Rabbi Hanina, je déduis, Shamafshit et Abechor venimtsa treifa, que celui qui va dépecer le Bechor, l'animal qui était Bechor, qui était aîné, que on n'a pas apporté au Beth Amikdash, qu'on l'égorgeait dans les gvoulines, comme ce qu'on va expliquer dans quelques secondes, et qu'il s'avérait qu'ensuite, après l'avoir dépecé, il s'avérait que l'animal était très fat, malgré tout, Sheyeotu HaKohanim Be'oro, que les Kohanim pourront prendre sa peau. Soit, tout d'abord, un korban, un Bechor, à notre époque par exemple, c'est fréquent, les éleveurs d'animaux ont des problèmes avec la lachot des Bechorot, ils perdent un certain pourcentage annuel de leur production des bœufs et des bovins et des ovins en fait, parce que si toutefois il y avait un peter rechem, l'ouverture de la matrice d'un animal a été faite avec un animal mâle, d'accord, donc un petit mouton qui est né pour la première fois d'une brebis, et bien cet animal là il est kadosh, c'est de l'argent, vous imaginez bien, par an il doit en avoir comme ça peut-être une dizaine sur un troupeau, je sais pas, je connais pas le pourcentage, mais en tout cas voilà, donc c'est de l'argent. Et du coup, en plus de ça, on évite d'avoir des bechorot à notre époque. Il y a même une halakha d'éviter de l'avoir. Donc, on vend une partie de l'animal au goy de manière à avoir un associé. Peu importe. Ça, c'est le principe de bechorot. En tout cas, lorsque l'on n'a pas procédé de la sorte, la Torah, elle me dit, dans ce cas-là, l'animal qui va sortir, sache que pour le moment, en théorie, je dois l'apporter au Beth Amikdash en bechor et le donner au Kohanim. Maintenant, puisqu'à notre époque, il n'y a plus de Beth Amikdash, alors l'animal, il est quand même kadosh. Ce qu'il faudra faire, c'est attendre, le donner au Kohen. Attendre qu'il va avoir un moum, un défaut apparent, il y a plusieurs halakhot, comment définir les défauts, avoir un défaut, une lèvre incisée, ou une oreille coupée, une patte cassée, selon des critères particuliers, et lorsqu'il va y avoir, donc il va y avoir ce moum dans l'animal, vous allez pouvoir l'égorger, et même profiter de la peau. Alors que l'animal, pour le moment, tant qu'il est vivant, et qu'on attend qu'il ait le moum, on a le droit de rien en faire. On ne pourra même pas utiliser sa laine. Il va devenir tout poilu et tout vieux sans le faire travailler si c'est un bœuf.
on n'aura pas le droit non plus de l'utiliser, de le faire travailler. On attendra patiemment qu'il va avoir un moum qui va devenir inapte à être offert au Beth Amikdash. Dans ce cas-là, les Kohanim vont pouvoir l'égorger et le... Enfin, on va pouvoir l'égorger et le donner sa chair aux Kohanim. Et les Kohanim récupéreront sa peau. Ok ? Maintenant, ce qui se passe, c'est que... là, de nouveau, on va avoir le même problème. Une fois qu'on va égorger le Bechor, alors on va commencer à le dépecer, et puis d'un coup, on va découvrir que le Bechor, en fait, il était taref. Et dans ce cas-là, si l'animal n'est pas cachère, on ne peut rien faire de la chair, on ne peut même pas la donner à manger au chien, il va falloir brûler l'animal, ou l'enterrer plutôt, il va falloir enterrer l'animal, on ne va pas pouvoir en profiter. Et la question maintenant de notre Mishnah est de savoir est-ce que malgré tout, la peau, les Kohanim pourront la récupérer ou non. Rabbi Akiva déduit de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, selon le même principe, tant que je fonctionne sans savoir que l'animal a un problème, et j'ai fait ce qu'il fallait, autant que toi, Rabbi Hanina, tu m'as dit que si j'ai jeté le sang sur l'autel, ensuite j'ai dépecé l'animal, et seulement après je découvre qu'il était taref, on a droit, les Kohanim pourront récupérer la peau, moi je déduis qu'il en va de même pour le Bechor, pour le premier-né, que si on l'a dépecé, on l'a égorgé comme la lacha l'a prescrit, une fois qu'il y a eu le moum, on l'a dépecé, et puis d'un coup on a découvert que l'animal était taref. Certes, on va enterrer la chair, mais les Kohanim pourront récupérer la peau. D'accord ? C'est selon le même principe. Dès que tu as fait ce que tu devais faire, et que seulement après tu découvres le problème, la Torah ne revient pas en arrière sur le don de la peau qu'on a fait au Kohanim. Voilà ce que Rabbi Akiva déduit de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Et Chachamim viennent et discutent sur toute l'histoire et nous disent Chachamim Omrim. Et Chachamim rétorquent et nous disent non, Lo Ra'inu Enaraya. Qu'est-ce que tu racontes, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? J'ai jamais vu. Tu peux pas témoigner de ne jamais avoir vu. Tu peux témoigner de ce que tu as vu. Mais tu peux pas témoigner que j'ai jamais vu. Peut-être que toute ta vie, chaque fois que tu étais au Beth Amikdash, en réalité, il n'y a jamais eu de korban qui est devenu taref. Si tu as vu un animal taref et qu'il y avait là-bas le rave du Beth Amikdash, qui a dit, malgré tout, les Kohanim gardaient la peau. Alors là, tu peux témoigner que la peau, elle est permise. Mais si tu dis que j'ai jamais vu qu'on a fait sortir juste une peau pour aller la brûler, ça veut rien dire, peut-être qu'à ton époque, ça ne s'est pas. Il n'y a pas eu concrètement de cas qui s'est présenté, c'est pour ça que ça n'a pas été réalisé. Et là, yotse le bet asreifa, mais donc il faudra faire sortir la peau au bet asreifa. Et pour la halakha, c'est retenu comme ça, c'est très intéressant, je ne sais pas pourquoi, j'essaie d'approfondir tant bien que mal, avec mon petit temps de libre que j'avais pour préparer cette Mishnah. Mais en tout cas, le Barthénora ne tranche la halakha que pour les korbanot, les Kohanim ne pourront pas récupérer la peau. Mais malgré tout, pour la peau du Bechor qui était un balmoum, si c'était un balmoum, il avait un défaut qui était très apparent, qui a été admis par un moumré, par un expert, il a été vu par un expert et approuvé par un expert que c'était un défaut important. Alors dans ce cas-là, la peau appartiendra au Kohanim, je ne sais pas pourquoi, on aura l'occasion, mais en Tachem, d'arriver jusqu'à Masechet Bechorot, Messiat Adishmaya. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.